Et comme le dit mon cousin au bled, l'Algérie est un pays magnifique, mais le problème, c'est les Algériens. Vous l'avez déjà entendu, celui du bled qui dit ça. Hein, on a tous un oncle, un cousin qui parle comme ça. Et c'est vrai que quand je suis allé en Algérie, je suis passé par Orly, tu vois, donc j'arrive à l'aéroport pour aller en Algérie, j'enregistre mon bagage, et puis après je prends ma valise comme ça, et puis je cherche la porte. La porte, tu vois, alors à Orly, il y a porte 1 à 30, tu vois. Alors je marche comme ça, je marche à porte 1, porte 2, je vois tous les pays qui défilent. La porte de l'Algérie, je marche, j'arrête une dame, je dis excusez-moi la porte pour aller elle me dit c'est tout là-bas, tout comme ça. Je continue, je marche. Et à un moment donné, je marchais tellement longtemps que je suis repassé devant chez WAM à Paris. Dans ma... Je lui dis, Foudine, tu vas pas en Algérie? Si j'y vais là justement. On dit mais c'est pas Orly, j'ai dit si c'est Orly, mais la porte c'est Melun, apparemment Melun. Wadaruna fille Melun. Alors je demande à la meuf. Deuxième mec de l'aéroport, je l'arrête, je dis excuse-moi, mais là, porte 1 à 30. J'ai pas vu la porte de l'Algérie, dis-moi, porte 195. Les Algériens, on les a mis loin. J'ai loin de quoi? Loin de tout. On n'en peut plus. Lui, Khaddam fut l'aéroport. Vous les racontez, on dit, je t'arrache des déroulis, j'arrête. J'ai un vol à prendre, j'arrive. Attention, alors la porte des Algériens, tu la vois pas tout de suite, mais quand tu la vois, tu sais que c'est la porte des Algériens. C'est un cyclone de loin, comme ça. Oh là, t'arrives, tu vois, un gamin qui court, deux gamins qui courent. Et attention, les gamins, ils courent. Voilà, t-shirt à l'Hena ou à rien en dessous. Oui, je joue. Ou il habbus comme ça devant sa mère. Devant sa mère, il habbus et il dit Mamma, Douda. C'est la porte des Algériens. Là, c'est bon. Là, on est au bled. On est déjà dans l'ambiance. La femme de l'aéroport, elle me dit vraiment, on n'en peut plus. J'ai dit, mais pourquoi vous en pouvez plus? Parce qu'ils viennent avec des drapeaux et ils crient, chantent tout le temps, ils vivent à la nuit. J'ai dit, mais il y a eu un match? Non, ils sont juste contents d'aller en vacances. Après, elle me dit, il y a un vieux monsieur, je lui ai dit, non monsieur, ça n'est pas possible. Vous ne pouvez pas emmener ça dans l'avion. Je dis, pourquoi je veux? Vous ne pouvez pas emmener un moteur de 309 dans un avion. Ça n'est pas possible. Il m'a dit, combien pour le supplément? Je lui ai dit, mais on est en France ici. On n'est pas en Algérie. Comme ça que ça fonctionne. Mais l'ambiance, tu vois. Donc je prends mon avion, tout se passe bien, j'arrive au bled, magnifique, voilà. En fait, je vous explique, je voulais prendre un mois pour visiter l'Algérie, mais pas les grandes villes. Moi, je voulais me faire ce kiff de faire les petits villages et les routes de campagne. J'ai besoin de ça. Je voulais voir autre chose. Tu vois, donc je me suis pris un mois, tu vois. Au bout d'une semaine, je suis rentré à Paris. Non. C'était spécial. Déjà, tu conduis en Algérie. Bon. Tout ça. Ben oui, tu connais le piéton algérien. Tu roules sur la route, comme ça, normal, comme ça, il est là, tu vois. Dans sa tête, lui, c'est une voiture. Mais elle chouille des clients, toi, le cas. Attention, bien. Avec Shangla, comme ça, éclaté. Il la traîne comme ça, quand tu le vois comme ça. À la graine, je dis vas-y, foot. Oui, je vois. Et après, une sauce normale, tu vois. Et il y a un truc en Algérie, c'est les dodanes. Dans les campagnes, attention, les dodanes. Ah, oui, c'est un autre animal. Un dodane, c'est une citerne. T'es là dans la voiture comme ça. Ta voiture, elle fait oh, hey. Ta voiture, c'est un manège. Tu fais hey. T'as sur l'autre.